Le PSG renforce la sécurité devant les domiciles de Verratti, Neymar et Messi. Après les manifestations du CUP hier devant la Factory mais aussi devant le domicile de Neymar, le Paris Saint-Germain craint de nouveaux débordements et a décidé de renforcer la sécurité mise en place devant les maisons de ses joueurs, ainsi que devant son centre d'entraînement. En fin d'après-midi mercredi, plusieurs centaines de fans du Paris Saint-Germain sont allés manifester devant la Factory, siège administratif du PSG. Ce mouvement, initié par le collectif Ultra Paris, avait pour but de demander la démission de la direction mais aussi le départ de certains joueurs, jugés comme éléments parasites. Marco Verratti, Neymar ainsi que Lionel Messi ont été les principales cibles des supporters parisiens, qui les ont copieusement insultés. À la fin de la manifestation, un petit groupe de supporters se sont rendus au domicile de Neymar afin de protester devant sa porte, via des chants hostiles. Sur Instagram, le joueur brésilien avait lui-même confirmé l'information en commentant sous une vidéo « Ils viennent juste de quitter ma porte ». D'après le journal, l'équipe, ce groupe de supporters aurait indiqué vouloir réitérer leurs actions tous les soirs. En prévision de nouvelles protestations, le club de la capitale a décidé ce jeudi matin de renforcer la sécurité des domiciles des joueurs visés par les ultra-parisiens. Le PSG a aussi augmenté la capacité de ses effectifs de sécurité devant le camp des loges ce matin. Les fans du PSG s'en prennent aussi à Neymar.